Ok, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Moi, personnellement, à Malte, ça va encore. Donc aujourd'hui, Future Bass is back. Donc, je vous montre un projet dans lequel je me suis grandement inspiré de cette nouvelle wave un petit peu Future Bass par Skrillex. Donc voilà, il a réinventé un petit peu le genre en mettant une espèce de gros sub bass avec des rythmiques trap. Puis des Korgs un petit peu hachurés avec des vocal shops hyper bidouillés, hyper cutés. Voilà, moi je suis un mouton donc je suis. Non, en vrai je trouve ça vraiment cool. Et du coup j'ai fait un projet, un track qui s'appelle Sakura, petit temps promo. Donc n'hésite pas à aller streamer mon track Sakura dans la description. N'hésite pas à aller le streamer sur Spotify car c'est la plateforme qui rémunère le plus les artistes. Et voilà, donc tu l'ajoutes à ta playlist et ça me fera un petit peu de Spotimonnaie. Donc c'est parti, je vais te montrer le track, grandement inspiré aussi des influences japonaises. Et c'est parti, donc on commence avec cet accord, donc j'ai commencé vraiment par cette idée-là. Donc j'appelle ça le Deadmau5 Pluck, hein, parce que c'est un petit peu cette sonorité-là. On commence par ça. Voilà, on va rajouter un petit pad, pareil, un petit pad d'ambiance, un petit peu texturé. Alors on essaye de suivre un peu le mouvement, les accords. Ok, et je rajoute un troisième élément dans cette intro, donc j'ai appelé les Chinese Pluck, donc je les fais monter petit à petit. Toi, ils arrivent du fond de la pièce. Voilà, je vais te montrer le piano roll. Et voilà, donc je trouvais ça assez sympa, la sonorité est très très sympa. Je rajoute bien sûr deux automation, reverb et delay pour vraiment que ça fasse cet effet de rebond là, tu vois, que tu entends. Je te montre sans la reverb et sans le delay. Tu vois, on n'a pas l'effet de rebond, donc c'est ça que je voulais mettre avec ces automation. Et du coup, le tout, les trois éléments ensemble, c'est vraiment déjà, tu pars sur un truc. Ok, donc là je me dis, on va laisser une petite intro ici avec ces trois éléments-là. Et on va rajouter du coup une première rythmique de drums. Donc un kick. Si, pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui sont débutants, je vous invite à regarder vraiment toutes mes vidéos. Il y en a qui attendent les nouvelles vidéos pour que je leur explique des trucs. Mais les gars, il y a 188 vidéos, allez les voir, hein, c'est pas pour rien, j'ai pas taffé pour rien. Donc un kick, la grosse caisse plus la caisse claire, donc le snare. Un snare bien réverbéré comme tu l'entends et les 808. Hi-hats aussi et des petits snare rolls. Ok, donc ça c'est pour ma rythmique, je rajoute quelques FX aussi et voilà ce que ça donne. On arrive du coup sur la partie, donc on a l'intro, le petit couplet avec la rythmique, et on arrive du coup sur une partie du build-up où vraiment tu fais accélérer les choses. Enfin, tu fais, moi je le fais, tu le fais ou tu le fais pas, tu fais comme tu veux. Moi personnellement, je le fais parce que j'aime bien faire monter en puissance. On fait de l'EDM un petit peu, donc dans les festivals, tout ça, c'est sympa. Donc là, je décide de laisser, tu vois, les trois éléments, et en fait, je vais rajouter. Alors. Ouais, je vais te dire d'abord pourquoi cette partie. En fait, je voulais faire une partie un petit peu manga, un petit peu, voilà, manga japonais, genre Naruto et tout. Donc, je me suis dit, il faut que je rajoute une basse et une guitare. Donc, je rajoute une basse d'abord. Et je me suis dit, je rajoute une guitare, un petit lead de guitare par-dessus.
tu vas te dire, waouh, mais qu'est-ce que tu as utilisé pour la guitare? Eh bien, j'utilise FL Slayer. Donc ça, tu le retrouves. Tous ceux qui ont FL Studio, vous connaissez ce plugin. Voilà, vous allez dans Insert. Je ne sais plus où il est. Là, FL Slayer. Donc ça, c'est un plugin interne à FL Studio. Et j'utilise le preset 10 Wawa. Et par contre, je mets un overdrive de ouf. Genre vraiment pour que ça sonne un peu crado. Et donc, j'ajoute ça à ces trois éléments. Et ça me fait ce petit effet. Voilà, vous me direz ou pas dans les commentaires. Ce petit effet un peu manga. Voilà, générique de manga. Voilà. Maintenant, pour que ça fasse encore plus vraiment, rock japonais un peu machin, je rajoute des drums. Et là, vraiment, les drums, je les taffe pour que ça fasse une super rythmique, comme si tu jouais à la batterie. Voilà, je rajoute des hi-hats et des rides, et je fais accélérer le tool sur la fin. Voilà, on est sur un build-up, donc on fait accélérer les choses. Bien sûr, je rajoute des 3 tonnes d'FX en fait pour que ça monte en puissance. Ok, et donc le tout ensemble, donc je t'ai montré avec la basse et la guitare qui vient. Plus là, oui, ça j'ai oublié de te le montrer, mais c'est le petit appel du pied de mon drop qui va arriver. Donc voilà, tu vois, j'annonce un petit peu la couleur de ce qui va se passer après. Et tu fous tout ensemble et ça donne quelque chose comme ça. Ok, donc voilà pour le build-up. Du coup, je te propose qu'on passe au drop. Donc peut-être ça te fait peur le projet, parce que c'est vrai, il y a 3000 tonnes de trucs. Après voilà, hein, c'est des projets peut-être que tu seras amené à faire après 6, 7 ans, 8 ans de prod. Bah, forcément qu'on fait des trucs beaucoup plus détaillés, beaucoup plus compliqués. Plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il faut vraiment bien choisir ces éléments et aussi bien les coordonner ensemble, comme toute chose de toute façon dans la musique. Donc, pour le drop, les drums, donc je te montre, grosse construction de drums avec beaucoup de variantes, variantes de snare, variantes de rythmique, variantes de hi-hat, des petits éléments percussifs, des petits snare rolls en contre-temps. Voilà, on fait vraiment des drums remplis. Donc je te montre ce que ça donne. D'abord le kick. Après un snare, donc un premier snare qui donne ceci, un deuxième snare. Deux snares, donc 1 plus 1 égale 2. Voilà, ça me fait un bon snare. Pah ! Des hi-hats. Donc tu vois que je fais un trou au début et les hi-hats, je les joue que sur le deuxième partie de mes drums. Je te montrerai après pourquoi avec mon Korg. Ride. Deuxième partie, je rajoute des claps ici. Petite variante ici, donc voilà, je décide de faire une variante, tu vois, c'est vraiment varié la rythmique. Voilà, et on revient sur nos snares, et après je rajoute des petits FX et des snare rolls en contre-temps. Ok, donc là on a des drums vraiment bien construits. On passe du coup aux cordes. Donc c'est parti. Donc pour mon drop, en fait, plus j'avance, plus je deviens flemmard. Non, je rigole, mais en fait, plus j'avance, plus je mets tout dans un. Je fourre tout dans un même pattern et ça fait le taf. Mais après, je te conseille pas de faire ça quand tu es un peu débutant. Je te conseille vraiment de bien dissocier chacun de tes éléments. Parce que sinon, tu vas vraiment t'embrouiller entre où est le lead, où est le sub-bass, où sont les vocal shops. Donc là, j'ai tout mis ensemble. Sub-bass, Korgs, lead, vocal shop. Donc du coup, je vais te montrer ce que ça donne. Bah...
un premier truc, c'est le sub. Donc voilà, très important, un sub dans chaque dans chacun de tes traps, de tes traps, track, tu dois avoir un sub. Après, on a un lead. Un petit peu scary monsterisé, voilà. On a un Korgs. Un deuxième Korgs. Un White Noise. Voilà, comme ça, ça remplit un peu aussi ton drop. Et on a du coup, après, les Vocal Shop, donc ici, que tu retrouves d'ailleurs dans mes packs, lien dans la description. Voilà, là, je fais vraiment un... Voilà, je fais vraiment un espèce... J'essaye de tu vois, d'accorder, en fait, le Vocal Shop à mon Korgs pour essayer d'avoir un truc assez clean. Hop là. Qui donne ceci. Alors, bien sûr, il y a tout un travail d'automation derrière. Je vais pas aller dans les détails parce que, bon, voilà... Faut qu'on avance un petit peu dans la vidéo, mais voilà, ça staff. Avec le temps, tu détailles et ton oreille aussi elle sait qu'il y a des éléments qu'il faut corriger, etc. Ça vient avec le temps, les gars. Après, on va voir le sous-drop. Donc là, juste, je remplis en fait mes trous de mon drop Korgs. Donc tu vois, je rajoute des espèces de des petites voix de ninja là. Et maintenant, du coup, avec mes drums, eh bien, on est sur un drop plutôt sympa, plutôt coloré, plutôt aussi dynamique. Ok, on arrive après sur une petite interlude. Donc là, je rajoute trois éléments, Riz Bass, une petite harpe et des voix. Donc, je garde mes trois éléments, Deadmau5 Pluck, le pad, Chinese Pluck. Et je vais rajouter donc la Riz Bass, donc ça, la base des bases. Voilà, pour la tension. Maintenant, je vais te montrer un truc que j'ai fait. C'est la première fois que je fais ça sur un des tracks. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc en fait, je voulais une espèce d'harpe qui soit jouée comme si c'était joué en réel. Et en fait, j'ai trouvé ce petit plug sympa. Et ce que j'ai fait, bah tout simplement, j'ai... Voilà, tu vois, sur mon piano, j'ai record. Et j'ai record un peu ça à l'arrache. Et du coup, je me suis dit, putain, ça fait un truc super sympa. Tu vois, c'est pas segmenté, c'est pas quantifié. C'est-à-dire que ça tombe pas... Tu vois, c'est pas calé au carreau près, mais c'est ça qui est bon. Voilà. Et donc du coup, avec ma Riz Bass, mon pad. Alors, je trouvais ça super sympa. Voilà, maintenant je rajoute un troisième élément aussi, c'est des petites voix. Donc ça, je l'ai trouvé dans un pack sur Splice, j'ai fait quelques découpes, j'ai fait un bon pitch. Et du coup, ça me donnait un truc assez sympa, je trouvais. J'ai même pas eu besoin de faire beaucoup de cuts en fait. Voilà, la chanteuse, elle fait ce qu'on appelle du humming.
Et genre vraiment le truc passé, tu vois, des fois tu vas trouver des samples ou des boucles comme ça qui tu les poses et tu dis putain mais parfait quoi, t'as rien à modifier dessus, ça passe. Donc du coup on garde aussi notre rythmique en haut là. La surprise. Noni. Dernière note, très important. Et voilà pour ce track. Donc sur votre fin de track, enfin moi j'aime bien le faire, c'est vraiment prendre l'accord le plus bas possible. Bam! Voilà, tu vois, pour bien finir les choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi. J'espère que ça t'a inspiré un petit peu. Si jamais t'es en panne sèche d'inspiration de l'hiver, tu sais, il n'y a rien qui sort. Il pleut, il fait moche, donc du coup t'as pas envie de produire. Voilà, peut-être ça va te donner des idées, tout ça. Je t'ai montré 2-3 trucs aussi que j'ai jamais montré dans d'autres vidéos. Par exemple, l'harpe chinoise et tout, ça c'est très sympa. Tu prends ton piano, tu recordes à l'arrache. Et c'est le fait que ça soit à l'arrache que c'est sympa. Voilà pour ce track. Tu le retrouves dans la description, bien sûr, mon track Sakura. Maintenant, toujours pareil, si tu veux aller plus loin, tu as ma formation offerte juste en dessous avec un mini pack offert. Je t'explique pas mal de choses. T'as aussi la formation Future Bass de A à Z si jamais tu veux apprendre à faire un track de A à Z, la structure, le mixage, mastering, les mélodies, etc. Tout ça dans la description. Aussi, lâche ton like, abonne-toi à la chaîne YouTube, commente si t'as kiffé et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Same since I lost my bro. I say I'm gonna change when I know I won't. I get high, I love to smoke. She gon' lie like I'm a joke. You wanna take